تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Une question se pose. Pourquoi changer de vie? Pourquoi passer d'un mode de vie précis à un autre? Pourquoi arrêter de faire un certain nombre d'actions qu'on nous déclare comme étant illicites, comme étant contraires à la volonté d'Allah Azza wa Jal, de ce qu'il aime? Pourquoi changer pour aller vers un autre mode de vie? La réponse est très simple. Lorsque l'on parle à quelqu'un et qu'on lui explique « Bihamdillahi Azza wa Jal, grâce à Allah Azza wa Jal, les trésors de l'islam », nous ne sommes pas en train de lui dire « délaisse une chose bien pour aller vers une chose mieux ». Non. On est en train de lui dire « délaisse les ténèbres pour aller vers la lumière. Délaisse ce qui est mauvais pour aller vers ce qui est bien. » Car comment une vie pourrait être bonne si l'adoration d'Allah Azza wa Jal n'a pas sa place ? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cela signifie que tu as été créé pour l'adoration, que ton front a été créé pour toucher le sol, que ton dos a été fait pour se courber lors du ruku', que ta langue a été faite pour réciter le Coran, que tes oreilles ont été données, offertes pour entendre le Coran al-Karim. Ça, c'est la base pour laquelle tu as été créé, Yahri. Si tu délaisses la base, et si tu délaisses la chose pour laquelle tu as été créé, comment veux-tu atteindre le bonheur? Et on le voit, subhanallah. Combien de stars de la télé, combien de stars du cinéma, combien de stars de la chanson finissent alcooliques, drogués ou suicidés? Ou bien même tout à la fois. Combien d'entre eux divorcent, ont des familles complètement disloquées? Combien d'entre eux ne vivent que pour l'argent et sont rongés de l'intérieur par cela? Combien? Est-ce cela le mode de vie qu'Allah Azza wa Jal veut pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un cadeau immense. Yaqul Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Trois choses, celui qui les aura en lui, il va ressentir halawat al-iman. Textuellement parlant, les sucreries de la foi. Eh oui, mes frères et sœurs, la foi a un goût. La vie dans la piété a un goût. La vie dans la piété a le meilleur des goûts que tu puisses t'imaginer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que s'il y a trois choses que l'on a en nous, nous allons goûter à ces délices de la foi. La première des choses. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam soient plus aimés de lui que toute autre chose. Que toute autre chose. Première des choses, l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la référence dans ta vie. Qui aimes-tu le plus? Allah. Puis qui? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ton entourage, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tes parents, plus que cette vie d'ici-bas, bien évidemment, et allons plus loin, plus que toi-même. Et c'est là le véritable sens de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Celui qui trouvera cela en lui aura le premier élément pour goûter aux saveurs de la foi, aux délices de la foi. Deuxième des éléments. وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Que tu aimes une personne, tu ne l'as aimé que pour Allah Azza wa Jal. Le premier élément, c'était d'aimer Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième élément, c'est d'aimer pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais imagine la vie que tu vas mener. Tu n'aimes qu'Allah dans ta vie. Tu n'aimes qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant toute autre chose. Et de cet amour pour Allah, naît l'amour pour les autres. Et c'est ça la définition de l'amour fi sabilillah. Ton amour pour les gens est basé sur l'amour que tu as d'Allah Azza wa Jal. Enfin, troisième des dimensions. وَأَنْ يَكْرَهَ الرَّجُلُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهَ أَنْ يُلْقَ فِي النَّارِ. Et que la personne qu'Allah Azza wa Jal a sortie de la mécréance déteste autant retourner à la mécréance
que d'être jeté au feu. Ici, c'est l'amour de ce qu'aime Allah et détester ce qu'Allah déteste. Tu veux goûter aux douceurs de la foi, aux sucreries de la foi, tu dois trouver trois choses en toi. L'amour d'Allah, le fait d'aimer pour Allah et le fait d'aimer ce qu'aime Allah et de détester ce que déteste Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, ya akhi, l'amour, ya ukhti, est la clé de ton bonheur dans cette vie d'ici-bas. Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah disait une parole extraordinaire. Il disait, il y a deux paradis. Un dans cette vie d'ici-bas et un dans la vie de l'au-delà. Celui qui n'a pas goûté au paradis de la vie d'ici-bas ne goûtera pas à celui de l'au-delà. Le paradis de la vie d'ici-bas ici, c'est l'istiqama, la droiture. Et quel bonheur de vivre ainsi. Il y a une parole de Salaf qui dit, si les rois savaient ce qu'il y a dans nos poitrines, ils nous combattraient pour tenter de nous l'arracher. Wallahi, le plus riche des hommes, celui qui a la plus belle des femmes, celui qui a le plus grand nombre de biens que tu puisses t'imaginer, ne possède rien face à celui qui a dans son cœur l'amour d'Allah Azza wa Jal. Alors que veux-tu prendre? Comment veux-tu vivre? Dans quoi est-ce que tu veux t'investir? Je te jure devant Allah que ce que tu ressens pendant le Hajj, lorsque tu es en face de la Kaaba à la Mecque, que tu lèves tes mains et que tu implores Allah Azza wa Jal de te faire rentrer au paradis, je peux te jurer devant Allah Azza wa Jal que le plaisir que tu ressens à ce moment-là, le bien-être, as-sakina, le bien-être que tu ressens à ce moment-là, est un bien-être qui est tellement supérieur à tout ce que tu peux avoir de bien-être lié à cette vie d'ici-bas. C'est un avant-goût de l'au-delà. Pense au paradis, Yahri. Pense au paradis, Urti. Pense à ce qui t'attend si tu fais partie de ceux qui savent réellement adorer Allah Azza wa Jal. Subhanallah. La vie d'ici-bas n'est qu'illusion. Et la seule chose qui est réelle, c'est l'adoration de notre Seigneur. Alors que vas-tu choisir? Que vas-tu choisir entre un repas mis sur une table somptueuse, le meilleur des repas, aux saveurs les plus fines et les plus magnifiques que tu puisses t'imaginer? Entre ce repas-là et une assiette dans laquelle nous allons mettre des ordures, lequel des deux repas tu vas vouloir prendre? Tu veux prendre cette vie d'ici-bas, qui sera les ordures, ou tu veux préparer ton au-delà, qui est le repas au meilleur, à la meilleure des odeurs, au meilleur des saveurs et à la plus belle des apparences? Que choisiras-tu? Je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous choisissions le meilleur des repas, ayant la meilleure des odeurs, les plus exquises des saveurs et la plus belle des apparences. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.